Alors après une série d'étalons confirmés, nous retrouvons là un jeune étalon. Il s'agit de Vision d'État, le champion quadruple vainqueur de Groupe 1 dans le prix du club. Avec cette pouliche née le 1er avril chez Thierry Cyprès, qui est donc présente ici avec son fils Marius, cette Edgeland. Vision d'État est Septland, par agent bleu, Septland, triple lauréate, gagnante à Auteuil du prix Moutsoukho 3, également gagnante à deux reprises à Anguin, et puis Maryse et John Cunnington. C'est la grande, grande famille de Thierry Cyprès, celle qui descend de Queensland, jument qu'il a reçu pour ses 18 ans, et qui lui a donné tant de vainqueurs. Alors le catalogue est un peu petit pour mettre tout, donc Willy Favard qui a préparé les pédigrés n'a pu retenir que les vainqueurs de Black Type, et ils sont très, très nombreux dans cette page, on va peut-être en marcher. Alors, je vous les cite PML, hein, bien sûr. Le premier, peut-être dans le temps, c'était Cumberland, un vainqueur du Georges Courtois. Et avant cela, du Maurice Gillois, bien sûr, un copain. Et puis après, il y a eu de bons plans d'Amaurice en passant par Terre-Neuve, à Porto Rico, Irlande, trop brillant. Queen's Apple, à Queen's Apple, c'est tout récent. C'est un grand vainqueur outre-Manche. Non, ça fera des frères et sœurs de Queen's Apple dans cette famille. Et puis plus près dans la souche, nous avons Vukovar, le cousin de cette Edgeland, Vukovar, lauréat du prix Mango et vainqueur du cours Manoir à Auteuil avant de s'exporter outre-Manche où il s'est imposé. Voici en queue numéro 7, Edgeland, présenté par Thierry Cyprès, une fille de Vision d'État. Au trot. Voilà donc cette lande, très bonne jument de course qui est pour l'instant produit une jeune jument qui a produit Dundee, un balcon de 3